justice africaine et vous avez prouvé que peu à peu, on peut retirer à la Cour pénale internationale ses compétences que vous avez d'ailleurs assumées avec beaucoup de talent, beaucoup d'aptitude, d'habileté, d'intelligence et de sagesse, beaucoup d'admiration. Vous êtes à remercier parce que juger, même si c'est votre credo, votre sacerdoce, votre raison d'être, juger au nom du peuple de Guinée, monsieur le président, vous le faites avec tellement de dons, de talent, d'aptitude. Il faut vraiment se déplacer pour vous saluer. Je voudrais arracher votre sourire aussi, monsieur le président, pour les félicitations au moins. Est-ce que vous pouvez retourner, s'il vous plaît? Vous le faites aussi bien que l'exercice de votre profession difficile, mais combien exaltante, laisse apparaître tous ses atouts. Est-ce que vous pouvez retourner à votre place, s'il vous plaît? Il y a un micro-baladeur que vous nous avez donné. Je ne tarirai pas d'éloges en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre tribunal, vos assesseurs, que j'ai particulièrement pratiquer. Lorsqu'il y a eu la composition de ce tribunal, parce qu'au début c'était un tribunal ad hoc, avec 68 membres qui devaient être formés, j'avais soulevé des débats sur la toile. Mais recomposé tel qu'il est, les débats se sont tus. J'ai même dit que ce tribunal, c'était des têtes fêlées. Monsieur le Président, Maître Lancinet Sylla et moi, nous avons décidé de fusionner la plaidoirie. C'est lui qui doit présenter notre plaidoirie. Parce que nous n'avons l'intention de vous entraîner dans aucune période oratoire où la fleur de la rhétorique permet parfois à d'illustres défenseurs d'escamoter le fond d'un débat pour ne faire valoir qu'un talent patenté fait de périphrases aussi sonores qu'inutiles. Loin de moi se flattera, monsieur le président, loin de Maître Lancinet Sylla. Mais notre vocation est de vous restituer la substance, la quintessence de cette affaire. Nous l'avons trop débattue et on pense qu'à force de parler, on finira par vous convaincre. Non. Quand j'entends des confrères dire « Monsieur le Président, dites la vérité. Hey, mais c'est insultant. C'est injurieux. Et je présente les excuses pour eux. Parce que si le pouvoir discrétionnaire vous a vous-même élevé en dignité, c'est parce que vous le méritez réellement. Monsieur le Président, la parole, elle doit être dédiée à une personne. Dans nos sociétés traditionnelles, c'est ça d'ailleurs. Moi, je dédie ma plaidoirie à un blogueur. Oui, je dédie cette plaidoirie à quelqu'un qui m'a touché dans l'âme, dans le conscient, dans le subconscient, dans la moelle et dans la division de l'âme et de l'esprit. Où ce monsieur
C'est au sortir d'ici, quand je voyais quelqu'un visionner, j'ai dit, mais je l'ai dépassé. Et quand je suis revenu, j'ai vu, j'ai dit, mais qui c'est? Il me dit, c'est Big Soul 224. J'ai dit, ah, c'est un Chinois? Il me dit, non. C'est un Japonais? Il me dit, non. C'est un de tes compatriotes. Je me suis arrêté pour l'écouter. Il avait un sourire contagieux. Qui était empreint aussi d'un rire goguenard. Ce monsieur m'a marqué. Et quand, plus tard, j'ai entendu qu'il était sur la liste noire de gens injurieux qui n'avaient pas beaucoup de penchant pour leur peuple, je me suis dit que c'était une erreur sur la personne. Qu'il fallait rectifier le tir, ce à quoi je m'emploierai plus tard. Revenons à ce qui nous préoccupe maintenant. Parce que le commandant Toumba nous a ordonné de dégager la dernière artillerie. Parce que dans son centre de commandement, il s'est rendu compte que les munitions étaient épuisées, c'est bien ça, lors des missions. J'ai donc demandé à mon lieutenant de se voir placé en haute mer, au milieu des caïmans, au milieu des requins, au milieu des baleines. Et pendant ce temps, je me tiendrai dans une vedette pour le secours d'urgence. Nous nous adressons aux militaires parce que ça ne concerne que. Et il faut leur langage pour une haute intelligence de cette affaire. Maître Lancinet Silla parlera de réquisitions et de plaidoiries qui ont eu lieu dans cette salle. Maître Lancinet Silla, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, avec la courtoisie d'ailleurs qui lui est due et les talents d'enseignant dont il ne cesse de receler, au nom du haut commandement, va envoyer les réquisitions du ministère public à l'autodafé. L'oraison funèbre va être lue par lui. Mais de passage, le commandant nous a demandé de féliciter le ministère public, le parquet. Ce qui nous a vraiment surpris à notre centre de recherche et de documentation. Il a dit qu'il a été séduit, non seulement par les démarches procédurales qu'il y a eu en ce qui concerne le ministère public, malgré que ce soit contre lui, mais la qualité des réquisitions, ce n'est pas le contenu. Ce n'est pas parce qu'il a été condamné, on a prévu 14 années pour lui. Mais la dimension intellectuelle du ministère public, elle nous a vraiment émus, touchés. Parce qu'en dehors de cette affaire, ce sont les ressources intellectuelles que notre pays recèle
qui sont en train de se dévoiler. Et c'est la jeune génération sur laquelle il faut compter et qui est en train de dévoiler tout cet acte. Nous savons qu'en seconde lecture, le ministère public va se rendre compte que grâce au commandant Toumba Diakité, que la vérité de ce procès a été dévoilée, qui n'a péché ni d'amont ni d'aval, et qui devrait être considéré comme l'un de ses meilleurs collaborateurs. L'humanité progressiste a en lui une grande admiration aujourd'hui. Parce qu'il s'est démarqué en toute matière, en toute chose, en toute situation, de ses pairs. 15 chefs d'inculpation contre lui. C'est-à-dire que pendant que Toumba était en train de violer, il était en train de fusiller, il était en train de commettre... Vous voyez qu'il y a incohérence, monsieur le président. C'est ce que Maître Lansine Sida viendra faire voler en éclat. Parce que si je ne parlais pas, ça aurait été un peu troublant. Le commandant Aboubacar Toumba a été un homme d'une grande générosité, d'une grande sagesse, d'une grande fidélité. Et je crois qu'il est un homme recommandable pour les dirigeants d'aujourd'hui et de demain. Et que son exemple doit être suivi. Nous avons été instruits aussi d'aider le pasteur Cécé. C'est à quoi Maître s'attelera. Paul Mazar, on nous a dit que gratuitement, la défense de Toumba va vous aider. Parce que vous êtes un fils né d'un père digne, et vous avez incarné la dignité parce qu'en rassemblement, vous avez demandé à celui qui est devenu chef d'état-major général des armées, mais qui a été fauché par la mort dans des conditions difficiles, de retirer ses tirs. En ce qui concerne votre père qui a été blâmé en rassemblement, ça, vous êtes d'une grande dignité, c'est ce qui vous a envoyé à Conakry ici. Le géniteur de cette affaire. Ah, Moussa Dadis. Parce qu'on parlera de vous. On parlera de vous. Vous avez conçu, vous avez préparé, vous avez réalisé. Pas que vous avez fait réaliser. Vous avez réalisé parce que vous étiez à Marocana. Et chaque fois que l'on dit des vérités crues en ce qui vous concerne, vous avez troublé l'audience. Je ne parle pas de vos lieutenants, Goumou et autres. Et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas le temps de vous le présenter ? Kebro disait, monsieur le président, qui n'arborait pas les bérets rouges. Ça met un terme à ce procès. Parce qu'on a pensé que c'était les hommes de Toumba. Vous pouvez donner, s'il vous plaît. En toute phase de procédure, il faut arracher la conviction du tribunal. Voici M. Kebro et ses hommes.
arborant les bérets rouges. Mais malheureusement, le crime n'étant pas parfait, ils ont le body noir qui leur est attribué et à eux seulement. Et je crois que ça doit susciter la colère du ministère public. Monsieur le Président, ce procès, vous nous avez écoutés tout ce temps, parce que la procédure l'exige ainsi. Mais vous avez toutes les pièces de la procédure. Vous avez une intime conviction. Vous avez une probité morale et intellectuelle qui fait que vous avez été plébiscité par tous les acteurs, tous les partenaires à ce procès. La partie civile vous a accrédité. La défense divisée a acquiescé la moralité de votre juridiction. L'opinion publique nationale et internationale, d'accord, que vous êtes effectivement les hommes de la situation. Il y a une dame qu'il faut saluer. Je crois qu'elle doit être assesseur. Hein. Elle devait attendre peut-être qu'il y ait un empêchement pour qu'elle vienne. Mais vous avez été doté de beaucoup de santé. Et même si quelqu'un développait une pathologie de quelque ordre que ce soit, l'intéressé s'est réservé dans vos rangs. Et cette dame, elle est là. Je ne sais pas. Elle est là. Je l'ai beaucoup remarqué, beaucoup noté. Et elle est toujours entrée au même moment que vous. Marocana et Dadis. Marocana et les actes préparatoires. La cour arrière que Dadis s'est faite. Mais ce qu'il faut féliciter en Dadis, ce qu'il faut louer, c'est qu'il est effectivement l'homme de Machiavel. Il a créé la cour arrière et la sortie arrière sans que son staff technique n'en soit informé. Il est sorti alors que Escobar pensait qu'il gardait quelqu'un. C'était le vide. Je fais un ramassis de faits parce qu'ils viendront échelonner, hein, développé par le professeur. Le général, chef d'état-major général, Omar, est venu dire ici, monsieur le président, qu'il a été voir Monsieur Dadis, aux environs de 16h-17h, et que l'ayant trouvé dans une position telle, dans un état lamentable, il n'a pu lui faire le compte rendu de la journée. Mais monsieur le président, le chef des renseignements militaires, je crois qu'à huis clos, n'a pas manqué de dire qu'ils étaient partis ensemble, ils l'ont vu. C'est déjà mensonger. C'est abject. C'est pas normal. Mais pourquoi les événements s'étant déroulés dans la matinée, ne s'est-il pas rendu au camp pour rendre compte à Dadis si celui-ci y était? C'est-à-dire qu'ils attendaient leur retour. Et cette rencontre tripartite, Dadis,
colonel, le chef d'état-major général et le chef du renseignement, c'était pour la gestion des corps. Les corps. Parce qu'on ne pouvait pas les présenter. Il n'y a eu que 156 sélectionnés. La présence du chef d'état-major général qui est omis de cette liste parce que l'instruction a été bâclée. Parce qu'on se disait que tout devait reposer sur Toumba. C'était la poubelle. Et ces gens-là ne sont revenus en prison que longtemps après. Longtemps après. Oh, pauvre Toumba. Il fallait donc gérer les corps. Les plus gravement atteints ont été envoyés en haute mer, dans les chalands. Et le chef d'état-major de la marine en sait. Et des corps ont été retrouvés sur les plages de la Sierra Leone. Il y en a qui ont été enfouis. Le train militaire en sait. KPC en sait. Mais tellement qu'ils étaient nombreux que certains sont restés dehors. Il fallait donc demander à ces gros porteurs de les piétiner, de les pétrir et de les transformer en pâte. C'est pourquoi je dis aucune circonstance atténuante pour ces gens. Dadis était à Marocana avec son chef du régiment. Et d'ailleurs, ce qui n'a pas été dit ici, c'est que étant à son centre de commandement là-bas, il a fait un rituel très dangereux. J'emporterai ça dans la tombe. Mais quand Sélou est tombé, le président Sélou, il a demandé à son chauffeur d'aller le cueillir. Mais accidentellement, ils se sont vus avec Toumba. Il dit, ah, président, Toumba est là. Donc, le président Sélou Dalin doit savoir aussi que s'il a été sauvé, c'est grâce à la présence de Toumba qui ne réalise pas l'événement. J'ai demandé. Au ministre de la Santé, qui est un ami de classe, de se défendre et de cesser de défendre qui que ce soit, parce que le navire ne portait qu'un seul passager, plus d'un seul en chavire. J'ai demandé à Dadis personnellement d'être un grand chef. Merci, cher confrère. D'être un grand chef. Et d'être à l'image de Moussa Traoré, de Hussein Avré, qui n'a même pas accepté que... Comment il s'appelle le chef d'état-major qui est décédé? Blaise Compa... Comme non, c'est pas lui. Voilà. Je ne sais pas. Il a abandonné. Ces gens-là ont agi sous le commandement de l'autorité. Les voici aussi, ici. Alors que c'était moi le père de la nation. Si c'est fait, j'assume. Les voici. Ils portent des ardoises aujourd'hui, privés de leur liberté, de la gestion de leur famille et tout, à cause du fait que Dadis est dit ici, ah non, non,
Il faut que les responsabilités soient situées individuellement pour qu'en fin de compte, je vienne demander pardon. Je crois que ce n'est pas la conduite d'un chef militaire. Toumba! Il lui a simplement été reproché d'avoir recommandé ce monsieur-là, le chef, le commandant du camp Koundara, Bégré. Ensuite, d'avoir été le chef de Marcel. Mais ces faits sont antérieurs à ces événements. Et qui peut être chef sans avoir été au préalable désigné par quelqu'un d'autre? Alors, si ces deux questions ne tiennent pas en ce qui concerne Toumba, s'il n'a pas pillé, il n'a pas manœuvré, il n'a pas violé, il n'a rien d'autre fait, il faut savoir si Toumba était effectivement un chef militaire. La réponse sera non. Le chef militaire est celui qui est désigné par une hiérarchie pour diriger une troupe. Les commandants de camp militaire sont des chefs militaires. Les commandants de compagnie sont des chefs militaires. Les chefs de section sont des chefs militaires. Toumba était un aide de camp. Donc, il était un chef de service au service du président. Par contre, le commandant du salon était un chef militaire parce que c'est lui qui avait pour charge de diriger la troupe. Vous avez ces documents, ces photographies, qui font dire que Bégré était le chef de régiment. Lui aussi, c'est un chef militaire, il fut un chef militaire. Bégré, Makambo. Le ministère public doit obtenir nos excuses. Parce qu'il faut dire qu'il a fourni beaucoup d'efforts, hein? Beaucoup d'efforts de compréhension, mais qu'il y a des données simplement qui lui ont échappé en ce qui concerne Toumba. Et que s'il devait éventuellement reprendre la parole, ce que nous souhaitons d'ailleurs, qu'il l'absolve, qu'il le dispense de ce jugement qui ne le concerne pas en réalité. Monsieur le Président, les faits ont été d'une grande atrocité et Toumba nous a demandé de nous incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont partis, dont la faute n'a été que d'avoir accompli un droit constitutionnel. Des gens qui sont allés sans armes, sans munitions, même pas de bâtons, ni de pierres, qui ont été tués et dont la mort a été programmée. Je reviens sur une question, Monsieur le Président. Parce que si le président Dadis a pu entretenir M. Sidia aux environs de 01, alors, qu'ils nous disent alors à quel moment les gens de Kalea ont-ils été habillés,
qui nous disent à quel moment sont-ils parvenus à Conakry? Entre 0h et 6h du matin. Si ce n'était pas le fait de la programmation d'avance de cette affaire. Ces gens ont été logés au camp Alpha Yaya Diallo. Et Toumba, qui est un grand guerrier, s'en était offusqué et a dit que ce n'était pas leur domiciliation. Il a été empêché par sa hiérarchie. Mais pendant ce temps, Kéboro avait ses hommes à la gendarmerie de Somfonian. Claude Puvy entretenait aussi, entraînait les gens dans l'enceinte du camp où était le président de la République. Et leur incorporation au sein des forces armées était subordonnée à leur participation active au massacre. C'est d'ailleurs qu'ils ont réussi, hein. On fait un semblant de commission. Le confrère en parlera. C'est cette histoire de commission d'enquête nationale. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, le commandant a demandé qu'il n'en ait pour rien dans cette affaire et qu'il compatit. Que même celui qui est supposé être son adjoint, qui n'avait même pas de titre, un aide de camp n'a pas d'adjoint, nulle part au monde. Marcel a eu un problème. Et c'est pourquoi on doit défendre Marcel. Dadis a fait venir un grand occultiste, Foromo, qui leur a fait manger un plat mystique avec des menaces sérieuses. Si Marcel n'est pas venu en première lecture dire tout, parce qu'il y avait l'ombre de Foromo qui planait sur lui. Il croyait que le miracle, le démoniaque se serait produit, que les forces sataniques auraient surgi. C'est pourquoi il s'est rapproché de l'imam et du prêtre Cécé. Ah, Cécé, tu n'étais pas au stade, mais te voilà là. Donc, constater la bonne foi de Marcel dans cette affaire. À sa place, j'aurais agi de la même manière, étant convaincu que Foromo était un homme très dangereux. Et qui était en connivence avec le diable, ses anges, ses démons et toute sa forteresse. Constater la bonne foi de Marcel, tenez compte de son repentir. Ah oui, Dieu demande à ce que nous parvenons à la repentance, à la conversion. Il peut être puni ici, ce que je ne souhaite pas maintenant voir faire. Mais il est sanctifié, il est justifié, il est purifié. Cessez. J'ai personnellement été à ton église, à la maison centrale. Je me suis mis à genoux devant toi. Je dis toi parce que tu es mon frère en Jésus. J'ai présenté ma dîme
et mon offrande, et j'ai rejoint le commandant. Parce que de lui, tu as reçu la permission d'aller voir ton épouse. Pour quelle raison cesser 14 ans en prison? Oh, cesser. Mais l'explication, c'est que Dieu t'appelait à un sacerdoce, à une mission. Ce que tu es d'ailleurs en train d'accomplir avec beaucoup de caractère. Je crois que vos deux actions cumulées ont permis la conversion de Marcel, son repentir. Et nous, nous vous adoptons. Nous prions que Dieu touche les cœurs de ceux-là qui ont le dernier mot et qui se prononceront dans quelques semaines sur cette question. Pour savoir que on peut être sataniste et devenir imam par la prière. On peut être abominable et se convertir à la 95e année pour ne vivre que 5 ans après et rejoindre le royaume des cieux. Toumba! Parce que c'est de lui qu'il s'agit, de cette affaire. 3 mois seulement après la prise du pouvoir, il a été dans le collimateur de son président Dadis. Les conditions de prise du pouvoir, maître reviendra dessus et vous verrez qu'étant même au centre de commandement où le général Toto était en train de présider déjà, Toumba est allé éteindre 3 foyers de tension, hein, des attaques. Le pouvoir n'était pas encore acquis. Il est allé détruire 3 foyers. C'est là qu'il est venu briser la porte, donner le pouvoir à Dadis. Ce qui ne lui a pas réussi. Vous verrez qu'il n'a été au stade qu'à cause de Dadis. Ils sont venus entre 5h et 6h du matin, alors que Dadis dit qu'ils sont venus à 0h. Ce qui est déjà une contre-vérité. Fatigué, Dadis vient monter dans la voiture, mais avant ça, il était avec son régiment, Kéboro, Makambou, l'autre. Nous allons aller au stade. Le pouvoir est dans la rue. Ils n'ont qu'à nous tuer tous. Voici comment s'exprime un dignitaire d'un régime. Il dit, personne ne sort. C'est la police et la gendarmerie qui ont droit de citer. Et il revient dire à Escobar, commandant du salon, tu ne le permettras pas de sortir. Mais Dadis étant habillé, autoritaire qu'il est, il est sorti, mais a oublié encore quelque chose. Et c'est là que Escobar a sorti la clé, le contact. Dadis se revient. Escobar a empoché la clé et il le gifle. Il retourne pour sortir de l'autre côté. Voilà. Escobar, la bonne foi, il ne savait pas que l'autre s'était frayé. Voilà, le machiavélisme. Comme il le dit. Mais c'est mal lu, Machiavel. Parce que Machiavel a proposé.
des systèmes de gouvernance. Parce qu'il a tellement vécu avec les nobles, il a vécu avec les rois, il a vécu avec les princes, que finalement, il a écrit Le Prince de Machiavel. Mais tout ce qui est mauvais, on dit le machiavélisme. C'est le machiavélisme. Non, Machiavel était plus que ça. Dans tous les cas, il a proposé, Monsieur le Président, Toumba n'a été que par amitié au stade. Et il n'a été que dans sa propre voiture. Parce qu'il n'avait pas de voiture de commandement. Zadis ne lui en avait pas procuré. Il le recherchait. Et voilà pourquoi les leaders ont eu le salut par l'action salvatrice de Toumba, par sa présence au stade. Et quand Goumoudi est venu dans une voiture blanche, des choses. Ah, vous avez vu cette voiture blanche maintenant, hein? Ce sont les hommes de Kéboro. Il est d'une sainteté remarquable dans cette affaire, Monsieur le Président. Il a perdu maison. Il a perdu son frère. Son frère a été tué par ceux qui sont là. Sa famille a été disséminée. Sa femme a été obligée avec son enfant de partir à Pita chez sa maman. Et l'ayant remarqué là-bas, la maman aussi a été arrêtée, envoyée au camp militaire. La femme est entrée en brousse pour se retrouver à Dakar. Et c'est moi, Monsieur le Président, qui ai préparé les actes d'asile de... pour un pays européen. Ça a été accepté. Parce que c'était juste, c'était équitable, c'était véritable. Toumba reste en prison jusqu'à maintenant, Monsieur le Président. Il ne peut pas venir au salon d'accueil où tous ses confrères-là, ses compères, reçoivent les repas et toutes les amitiés, toutes les salutations. Il est là-bas au fond quand cette maladie, l'épidémie Ebola, c'est comment la dernière épidémie qui a frappé le pays, l'a aussi trouvé là. Donc, il s'est davantage confiné. Mais, médecin de son état, ouvrier dans l'armée guinéenne, Monsieur le Président, cet homme, heureusement qu'il soit médecin, il a développé une pathologie qu'on appelle la hernie de la ligne blanche, parce qu'il était privé du sport. Il ne pouvait pas faire le sport. Ça dit que tous les droits lui étaient privés. Toumba était tellement négligé, Monsieur le Président, que son mandat de dépôt n'a pas été renouvelé, aucune conséquence n'a été tirée. Oh, la loi est claire en ce qui concerne le non-renouvellement du mandat. Ça équivaut tout de suite, ça emporte la mise en liberté de celui qui en est privé. Et le juge par qui c'est arrivé, disciplinairement, devrait être poursuivi. On a fermé les yeux sur toute cette question en ce qui le concerne. Ses droits de visite ont été réduits à son père et à sa sœur. Voici comment il vit sur un canapé fait de mains de prisonniers, imparfaitement rabotés. Moi-même, j'ai emporté beaucoup de puces de punaises à la maison. On a travaillé dans le chaud.
C'est pourquoi je ne serai pas long, maître non plus. Nous vous laisserons le temps de juger cette affaire, comme nous savons déjà que vous savez le faire. Mais il nous a demandé de vous convaincre de sa sanctification, de sa justification, de sa purification, et que Dieu le conduise au bagne s'il était d'une manière ou d'une autre impliqué en quoi que ce soit. S'il y a un élément de preuve le concernant, condamnez-le, Monsieur le Président, il aura mérité. Monsieur le ministère public, voici l'homme. Voici l'homme qui vous a permis de connaître les autres hommes, qui vous a permis de connaître l'histoire, qui vous a permis de savoir la moralité. J'avais voulu personnellement remercier le procureur Siddiqui. Il a administré la preuve qu'il a un cœur de chair, pas un cœur de pierre. Qui n'a pas pleuré ces victimes-là? À moins qu'on ne soit pas père de famille, à moins que nous n'ayons pas eu quelqu'un qui a été, ou que nous soyons au service du diable, tout simplement. Cet homme est un bon père de famille. Et ça, je vous félicite pour ça aussi. Vos collègues, on n'en parle pas. Le procureur de la République est d'une grande densité intellectuelle. Il est digne d'un grand respect, d'une sagesse qui surpasse son âge. Merci, Monsieur le Président.